contact soutenu par d'autres associations comme le CCFD, ici présent, et Vie et Paysage, s'engage à reverser la totalité des dons libellés à l'ordre de contact à une association haïtienne qui œuvre sur place. La PAPDA, c'est une plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif. Cette association a été fondée en 1995. Elle est sans but lucratif et apolitique. Un beau jour sur un radio craquant de la Coco. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Que de vivre, où les filles à l'envie vous remissent le cœur en dressant la souris de ces colis de fleurs qui enivrent. Je fuirai sans la mon passé, sans aucun remords. Sans bagage, le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre. De retour de mon premier voyage, nous, c'est-à-dire des proches, nous avons envoyé un groupe électrogène pour aider une association haïtienne que j'avais rencontrée à Port-au-Prince et qui montait une école pour les enfants des rues. Depuis le tremblement de terre, je n'ai pas réussi à avoir de contact avec eux. Si, j'ai réussi, mais un contact. Après de nombreux essais, j'ai fini par avoir des baises au téléphone, celui avec qui j'étais en contact. La communication a été très vite coupée. J'ai à peine eu le temps de lui dire, de lui demander comment il allait, si l'école était debout, de quoi ils avaient besoin, et la communication a été coupée. Ce monde rose n'est pas du temps.